cloche à son awe. Je crois que mon logo n'a pas coûté de codro. Foste Arcange toi dira. Yatia Marakwe. Papa Tissiriri. Papa Tia Centrafricain. La sala papa tu parti tia la. Timu soya tia de bagina donio. La liti papa toi dira. Armée tu codroti. Awara valeur tu l'eau. La sara papa ci parti ci alla ci muso e se anche macchina tonio lumière RCA éclairé partout ali ci papa tu adira su qua po mo lungo na pe cucciolo sai un ci tanga ciao qua sua andra africa mo sara papa ci presita ci mo arcange tu adira ci muso e se anche macchina tonio la sara papa ci parti ci alla. La liti santé ou la sénie tia centrafricain. Baba kaleke na ya hôpital. Ipwe ilondo, ipote to atera. Kacha marakwe, ipote kilo wa fami. Ala sara baba che parche ti ala. Ti buso e... Atleti ma chérie. 1, 8. Grâce à Faustin Arcange Toadera, Papa Toadera, Arcange, Zapala, Toka, moi tu libéré, yo, Papa. La sara, papa, tu parti, tu y alla. Ti buso, yamse, yagre, magin Antonio. En tant que professeur de qualité et de carrière, le co-construit na yaye, Kola Toadera, Arcange. Zapala, Toka, moi tu libéré, yo. La sara baba ci parti ci alla ti buso e se ya che magina donio lega ci buar paoro aga joni ten ci baba to adira a population ci bangi alla lutu i pote to adira piaccia marakwe o baba la sara baba ci parti ci alla ti buso e se ya che magina donio dali ci siriri. Porti cartuma bagigi, grâce na poster quand je t'ai dit. Asoti ombe lampoko, ala lundo. Asoti kemo, mote gilo aita. Ala sara baba che parti ti ala. Ti buso yamse ya ke bagi na donio. Futamo ariri, a fonctionnaire a dimatere cha la pe. Tenti baba cha centrafricain ke da. Ana mambere, ala lundo. La sara baba ci parti ci alla ti buso e ti agre magina donio a ariri sua macilo a zani quello galo na ua qua cilita ua molondo ti pote loma ua mpede ti pote gilo a fami la sara baba ci parti ci alla ti buso e ti agre magina donio a taxi moto a bubangere Abambe, Abouché, Ilone Djebo, Kokomte, Ilone Djebo, Narabe, Karabe, Matibou, Papa. La sara papa, tu parti, tu y alla. Ti buso, yamse, yagre, magin Antonio. Kokomte, Kupawa, Kokomte, Kumarkunda. Ndola, Senga, Djarje, Kou, Président, Toa, Dira, Tujo, Dje, 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 Arkanche, Narabe, Karabe, Matibou, Papa. La sara baba ci parti ci alla ti buso e se anche magina donio ci je tar jarje kwet bongam du baje bo tenen du baje mambere kate yi ala tondo no bai molondo ti pote kilo a fami la sara baba ci parti ci alla ti buso e se anche magina donio a chrétien a musulman. Voilà, soyez salués depuis votre position. Aujourd'hui, le 22 avril, bonne soirée à tout un chacun depuis votre position. Partagez, s'informer et partagez pour que, hein, à Sota, Zoti, Sion Ibeifoua, la Bania, la Ingatena,
Avec nous, Dieu est dedans. Olga Yolouk, sois saluée. Voilà. Sois saluée. Toujours combattu, jamais terrassé, jamais découragé. L'homme qui décourage le découragement. Voilà. Bienvenue à la Champions League. À quoi bas, à quoi bon? Welcome. La Champions League, tout simplement, c'est la communauté des amoureux de la Centrafrique. Voilà. Ceux qui aiment cette nation, ceux qui n'attendent rien, mais ceux qui veulent apporter un plus à leur pays. N'attends pas ce que ton pays va faire pour toi, mais ce que tu dois faire pour cette nation. Nous nous sommes déjà réveillés et on a pris la décision d'apporter quelque chose en plus. Peut-être dans n'importe quel secteur, agriculture, élevage, éducation, information, voilà, etc. Et je salue tous ceux qui nous suivent depuis Bangui. Soyez salués. J'en profite pour faire un big up à mon aîné André Ringui, le gaillard, et son équipe. Je salue également ceux qui sont connectés depuis Franceville, Port-Gentil et Libreville. Soyez salués. Je salue ceux qui nous suivent en ce moment depuis N'Djamena, Amoursal, Arde Djoumbal, Amtukui, Kabalaï, Dembe, Paris Congo. Soyez salués. Voilà, à Libreville également, le Charbonnage, Plein Ciel, Ocala, ou encore Ovendo. Soyez salués. Je salue ceux qui nous suivent depuis Abidjan, depuis Yopougon, depuis ou encore Adjamé, etc. Ceux qui nous suivent depuis Sénégal, etc. Bon, voilà, je ne peux pas tout citer. Je salue Evelyn depuis Brasilia, ceux qui nous suivent depuis le Brésil. Voilà, ceux qui nous suivent, Joski depuis la Chine, sois salué, grand champion. Avec le président des Centrafricains qui sont en Chine, je vous salue. Voilà, merci pour vos soutiens. Nous sommes une famille. À la Champions League, Otabe Adapin. À la Champions League, Likundo Adapin. À la Champions League, Igitiza Kabrakan Nazwapin. Tinti Kodrola Sonye. Merci pour tous vos soutiens. Sans oublier ceux qui sont en France, mais pour la France, n'en parlons pas. Ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à Melun, ceux qui sont à Bordeaux, Toulouse, Nantes, Orléans, Reims, ou encore Montpellier. Voilà, Adenina, et qui a encore Sylvie Darma. Je salue tout le monde, Michel Dorokouma, Jean-Pierre Daito, Jean-Christophe Ngoyos. Je salue ceux qui nous suivent depuis la Tunisie. Valérie Yangé, soit saluée depuis Tunis. Vladimir, soit salué depuis Tunis. Sans oublier notre grand sérigraphe depuis le Maroc. Voilà, un cerveau, un infographe de taille depuis la Tunisie, le Maroc également, soyez salués. Donc, voilà, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Bon, je salue Kofi depuis Canada, on aura le temps de parler après. Voilà. Donc, je vous salue. Valérie Yangé, ça fait longtemps, frangin. Voilà. Bon, vous pouvez me laisser, je vais parler. Arrêtez de m'envoyer beaucoup de messages, là, ça me distrait. Voilà. Bon, toutefois, je ne vais plus lire Inbox ici. Je vais me concentrer devant la caméra. Donc, soyez salués depuis votre position.
Donc ce soir, nous allons évoluer CDC depuis sa position à Bangui. Je salue ma maman Anastasie Mbanda. Hein, je salue la présidente de l'OFCA, maman Ramadan, soyez saluée. Merci beaucoup pour tous les conseils. Merci pour le soutien. Je salue la mairesse du 4e arrondissement. Voilà, c'est une championne. Je salue Djekodé depuis N'Djamena à Moursal. Voilà, la Champions League, c'est ça, c'est une famille. Nous sommes les amoureux de la RCA et nous sommes également les amoureux de Touadéra. Nous, on aime Touadéra pas parce que Touadéra nous a promis quelque chose. Ce n'est pas parce que Touadéra nous a donné de l'argent, mais nous avons aimé Touadéra à cause de son idéologie, à cause de son projet de société, à cause de sa vision. Aujourd'hui, les résultats sont là et c'est par rapport à ces résultats que nous nous sommes décidés sans être consultés en tant que citoyens et nous avons choisi la bonne carte et c'est le président Touadéra. Bona Castre, sois salué depuis ta position. Dorine Goyos depuis SICA 2. C'était Marcel Gaucher, Internet. Aîné, sois salué. Frédéric Serré-Pouraya. Donc voilà, nous allons évoluer parce qu'on doit évoluer. On doit évoluer. Voilà, il y a une fausse rumeur qui circule depuis ces derniers temps sur la mort de son Excellence Simplice Arandi, l'ancien Premier ministre. Ça démontre qu'il vivra longtemps. Ça démontre que ce monsieur, quand on fait des propagandes de la sorte, des rumeurs soi-disant que quelqu'un est décédé, ça veut dire qu'il vivra longtemps. Avant cela, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Champions League Media parce que nous avons une vision là et on poursuit notre vision. Hein, abonnez-vous, allez sur YouTube, écrivez dans l'outil de recherche Champions League Media, vous allez voir le profil, cliquez sur abonner et la notification, vous aurez toutes les vidéos publiées. Deuxièmement, nous devons respecter les mesures de distanciation quant à la montée de COVID-19 en République centrafricaine. Il est très important de sensibiliser nos parents, banguissois, etc., que le coronavirus est une réalité, ce n'est pas une fiction. Il faut à la Péteretala, à porter Kachné, à Sukula Mamboko, à Za Bizouzo, à Bizou, 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 là. Il faut à Eviteni, il faut Moinga, résultat, tu testes, tu zones, si peut-être même en dehors de Corona, il peut avoir hépatite également. Et puis, ben voilà. Donc, c'est très important, on doit respecter. Tertio, voilà, Tertio, je suis en train de, je salue Charles Makanda pour le joli cadeau. Je suis en train de parcourir ce livre et je suis arrivé à la page 152, voilà le chapitre Présidence de la République centrafricaine, une affaire à l'africaine. Fanny Rocha, beaucoup soit saluée. Et il y a un point important que l'auteur a écrit, il n'est pas possible d'écrire l'histoire de la vie politique en Centrafrique. Il n'est pas possible d'écrire l'histoire de la vie politique en Centrafrique du 1er septembre 81 à ce jour. Voilà. Et selon un proverbe turc, si vous menez un âne loin, même à la Mecque, il n'en reviendra jamais à Kenan. Voilà, l'auteur a bien parlé. Et Roger Delpey, un livre anthologique. Et ça, c'est le travail d'un chercheur. Il a écrit en toute neutralité, sans parti pris. Et c'est cette partie qui m'a touché. Il est difficile d'écrire l'histoire de la République centrafricaine. Nous voyons aujourd'hui, nous avons des Centrafricains, ceux qui ont servi sous Bokassa. Je dis ceux qui ont servi, je ne parle pas des spectateurs. Nous étions des spectateurs, je ne parle pas de ceux qui ont, de loin, et qui ont pris le titre ou le rôle de ceux qui n'ont pas servi, non. Ceux qui ont servi sous Bokassa, sous Dako,
la première dame, Mama Dakou, est là. Ça, elle est aujourd'hui une bibliothèque vivante. C'est l'occasion que nos jeunes journalistes, ces écrivains, et puissent prendre contact, attache à ces bibliothèques comme Maman Catherine Bokassa, Maman Dako, Maman Mireille Kolimba. Ce sont ces dames-là et certains qui ont travaillé à l'époque, qui étaient dans le système. Eux, ils maîtrisent l'histoire. Elles savent ce qui s'est passé lors du pouvoir de leur mari, sous le règne de leur mari. Ce sont des bibliothèques. C'est comme ça qu'on a laissé Abel Ngoumba, il est parti, sans nous laisser une anthologie qui peut aider la jeunesse centrafricaine ou les centrafricains. Et voilà, aujourd'hui, il y a une carence, contrairement en Afrique de l'Ouest, quand nous consultons dans les bibliothèques, on ne trouve guère des documents sur la République centrafricaine, même jusqu'aujourd'hui. La mort de Boganda reste un mystère. Boganda, certains ont dit qu'il n'était pas mort le même jour dans un crash, qu'il a été déporté, à la Martinique ou Guadeloupe. Il y a trop de rumeurs tout autour de la mort de Boganda. Et ceux qui ont la science infuse, qui nous faisaient comprendre que c'est eux qui maîtrisent l'histoire de Centrafrique là, il faudrait que qu'on nous démystifie la mort de Boganda. Boganda est mort en quelle année et il était mort comment? Ça, c'est le sujet important qu'on doit nous démystifier. Ce que les Centrafricains veulent aujourd'hui, c'est la mort de Boganda. Est-ce qu'il est mort lors de ce crash ou il était mort des années après dans une prison? On laisse ce sujet important qu'on devait nous démystifier pour nous embrouiller. Vous savez, je discutais un jour, j'étais logé dans une résidence et j'avais un voisin allemand et qui était un missionnaire et il enseignait la sociologie. Bon, il est sociologue et puis il est missionnaire évangélique. Donc, il enseignait la branche de la sociologie en théologie. Je parlais d'ici de la théologie supérieure. Tu es obligé de faire la psychologie, la philosophie, la sociologie, etc. Et je discutais avec lui un jour, et je ne sais pas comment, et puis on a parlé de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsque ce Allemand m'expliquait la version de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale qu'il m'a donnée, surtout la Deuxième Guerre mondiale, la version allemande est différente de la version française que nous étudions à l'école. Et c'est là où j'ai compris que l'histoire a plusieurs facettes. Tu peux te mettre dans une position et tu donnes ton histoire selon ton avis. Et souvent, pour régler certains comptes, des règlements de comptes dus à la jalousie, la haine, l'autre côté aussi peut donner la version d'histoire. C'est là où j'ai compris que la version que nous étudions à l'école, que nous avions étudiée, était la version française avec ses exploits, mais les Allemands aussi ont leur version de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la mort d'Hitler. Donc, c'est comme ça l'histoire. Et aujourd'hui, notre pays est un pays stérile, un pays vierge. Il n'y a aucun. Nous n'avons pas de mémoire aujourd'hui. Nous n'avons pas de mémoire. Vous vous rappelez à l'époque, Papa Dambalé, que je respecte, passait son temps à nous raconter des légendes. Ces légendes-là. Aujourd'hui, c'est parti comme ça. Or, dans certains lieux, il y a des recueils de poésie, il y a des recueils d'histoire. L'histoire des Andes, l'histoire des Banda, l'histoire de Congo Ouarala. On est incapable d'écrire des livres comme ça, bien, sans parti pris. Quand nous voyons les Centrafricains parler d'histoire, analysez bien, ce sont des règlements de compte, ce sont des pics, ce sont des attaques. Quand on fait l'histoire, on ne prend pas parti. On ne se met pas d'un camp pour tirer sur les autres. On est au milieu et on dit la vérité d'une manière équilibrée. Parce que l'histoire, là, ça peut rattraper également. Donc, ce livre m'a touché. Ce livre m'a touché. Et je me suis dit, ceux qui ont la science infuse, pourquoi ne pas écrire des bons livres comme ça, en écoutant la version de madame? Parce que c'est Catherine Bokassa.
et ceux qui ont travaillé avec Bokassa, qui maîtrisent très bien comment Bokassa fonctionnait jusqu'à avec Giscard d'Estaing. Maman Dako, qui est là, elle maîtrise le jour où son mari a décidé de remettre le pouvoir à Kolimba. La maman, là, elle connaît la vraie version. Ce n'est pas ces légendes, ces fictions qu'on nous raconte là. C'est elle. Elle est une bibliothèque vivante. On doit consulter cette maman. Comment ça s'est passé jusqu'au départ de Kolimba, histoire de coup d'État. Maman Mireille Kolimba, qui est là, elle maîtrise parce que son mari a causé avec elle. Donc, c'est juste un appel. J'en appelle aux jeunes centrafricains talentueux. Hein? Vous avez cette bibliothèque, approchez-vous de ces mamans. Et de, c'est comme l'histoire. Il y en a plein. De nous laisser en héritage parce que les écrits demeurent, les écrits restent, les légendes, il y a trop de légendes, il y a trop de mensonges dans ce pays. La RCA a été conduite par les menteurs. Chacun se lève, il ment, il raconte des histoires, des règlements de compte. Des fois, c'est la haine, c'est les rancunes, c'est des jalousies parce que on connaît tout ce qui se passe dans ce pays. Donc, le livre de Delpech que j'ai bien consulté m'a réveillé. Et je demande aux talentueux jeunes centrafricains, pourquoi pas faire des recherches approfondies en toute neutralité, sans être un troubadour et nous raconter les vraies versions de l'histoire centrafricaine. Comme aujourd'hui, les Béninois connaissent l'histoire de Béhanzin, ils connaissent l'histoire de Glélé, les Maliens. Les Sénégalais connaissent l'histoire de Samori, Touré, les Guinéens de Conakry. Ils connaissent l'histoire de l'Empire Songhaï. Ils peuvent expliquer d'une manière terre à terre. C'est très important. Voilà. Donc là, et nous devons encourager ces jeunes, pardon, que de nous livrer à des légendes et des fictions. J'appelle ça des embrouillamini. Voilà. Donc aujourd'hui, la Centrafrique là, nous aussi, on est éveillés. On sait ce qui se passe et on doit encourager les talentueux. C'est très important. Alors, on creuse en profondeur. Merci pour les cœurs, pour sécuriser notre vidéo. Voilà. J'ai vu certains jeunes écrire beaucoup ces derniers temps, mais ça ne me convient pas. Moi, le mystère, la vraie histoire de la RCA, c'est sur le mystère qui entoure la mort de Boganda. Tout le reste là, c'est de l'embrouillamini. Tout le reste est truffé du mensonge. Tout le reste, intoxication, démagogie, manipulation. À bon entendeur, salut. Alors, Sarandi est mort. Et c'est devenu, il y a des gens, bon, mais c'est toujours en inbox surtout. Et beaucoup de gens m'ont posé la question qu'ils ont eu dire que Sarandi est mort. Sarandi n'est pas mort. Simplice Sarandi n'est pas mort. D'ici peu, nous allons l'accueillir. Nous allons le célébrer à Bangui dès son retour. C'est bon, nous voyons aujourd'hui que ce n'est plus la politique que nous faisons en Centrafrique, c'est devenu de la sorcellerie. Parce que l'autre est meilleur, l'autre est talentueux. Au lieu de l'apprécier boucler, on cultive la sorcellerie. Likundu, Urkuzu, Mbin, Ndonga. Et tellement qu'ils ont jeté plein de trucs et ils n'ont pas vu le résultat des venins. Alors, il se livre maintenant au mensonge pour dire que Sarandi est mort. Mais Gom Koulibaly est mort, l'ancien premier ministre ivoirien. La Côte d'Ivoire continue toujours de fonctionner. Ahmed Bakayoko, le ministre des jeunes, le plus populaire, même plus que le président de la République, il est mort. La Côte d'Ivoire fonctionne. La mort, là, c'est tout le monde va mourir un jour. Tout le monde passera par la mort. Donc, rester dans son coin, imaginer la mort de son prochain,
c'est de la sorcellerie. Il n'y a pas une autre appellation que ça. Rester et être jaloux, être méchant et imaginer la mort de son prochain, c'est de la sorcellerie. Et c'est, il n'y a pas, hein, c'est l'esprit de Bélial, l'esprit de méchanceté. Donc, Sarandi n'est pas mort. Il est en bonne santé, il est convalescent, il a bien repris. D'ici peu, il sera à Bangui. Dans les jours, les semaines, le temps à venir, il a tout le temps. Il n'a pas un compte à rendre à quelqu'un à Bangui. Voilà. Donc, arrêtez de croire à ces rumeurs. Il n'est pas mort. Il est en bonne santé. Il vivra longtemps. Il connaîtra la vieillesse. Il sera fatigué comme les Abraham, comme les Isaac, comme les Jacob. Il sera vieux, 100 ans, 102 ans, avant que Dieu l'appelle dans son divin séjour. Parce que c'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui sert l'Éternel. Il doit vivre longtemps. C'est la promesse que Dieu a donnée à ceux qui le servent. Ceux qui sont justes, Dieu leur a promis la longévité. Voilà. Donc, Sarandi, peut-être vous allez attendre longtemps et vous allez le voir en bonne santé. Il est bien portant. Ça va mieux. D'ici peu, il va rentrer. Voilà. Alors, ce soir, nous ne serons pas, on va pas trop parler, hein. C'est demain, on va casser à 20h00. Demain, là, on va parler. Demain, là, je vais parler. Parce que Bozézé a fait quelque chose. Demain, on va régler ça. On va parler de ça. Alors, j'ai vu que notre champion n'a pas été invité à N'Djamena. Mais c'est bon quand même, hein? Hein? Bon, je parle de l'ambassade de France d'abord. C'est ce qui est important. Nous tous, nous avons suivi aujourd'hui l'incendie. Hein? L'incendie à l'ambassade de France à Bangui. Hein? Bon, c'est juste une question. Est-ce un incendie volontaire? Est-ce un incendie criminel? Ou c'est une mise en scène hollywoodienne? Bon. J'ai vu des méchants, des gens qui sont animés de l'esprit de Bélial. Le mot Bélial en grec signifie la méchanceté. Voilà. Donc, ceux qui sont méchants, ils sont animés de l'esprit de Bélial. Alors, lorsque l'incendie de l'ambassade a été annoncé, eux, sans pour autant vérifier, et ils se disent des polémistes, des diplomates, des intellectuels, nanani nanana, mami l'auto, hein, que non, c'est directement, même si c'est une interrogation, mais c'est une forme. Et la vraie forme est que, directement, c'est pour dire que l'incendie de l'ambassade a été un incendie criminel. Marie-Noël Sankagi, sois saluée, ma soeur. A été un incendie criminel. Donc, c'est-à-dire, vous avez voulu organiser des marches anti-russes. Ça, vous avez tapé poteau. Non, vous aviez à l'époque parlé de quoi là? Une mobilisation devant l'ambassade de Paris contre l'enrôlement de Sidi Kidarassa. Poteau. Manifestation de quoi encore? Poteau. Vous avez soutenu la CPC poteau. Marche, manifestation anti-russe poteau. Maintenant, Jean-Jacques Takamo, ah, l'ancien des anciens, soit salué depuis Bangui là-bas, depuis ta somptueuse villa. Alors, maintenant, c'est Dali. Sam Cameroun, c'est ça, hein? Peut-être c'est posé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Merci, Olga Yolou. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, aujourd'hui, hein, depuis l'interdiction de quitter le territoire collé à leur leader, depuis que une enquête judiciaire, hein, Vladimir Outmi,
Oui, non à l'élection, poteau aussi. Hein? Poteau na poteau. Hein? Flavie Jacqueline, sois salué. Poteau na poteau. Non, transition, poteau. Boycott des élections, poteau. Depuis que les enquêtes judiciaires ont démarré contre certains de leurs patrons, parce que ce sont ceux-là qui, dans un passé, ou qui continuent même de leur envoyer de l'argent, ils sont là, ils font des vidéos, ils attendent que Bangui leur envoie les 500 euros, les 200 000, les 300 000. Bon, alors, depuis que leur leader n'arrive plus à quitter le territoire et que la CPC est aujourd'hui neutralisée, les FACA, les Russes montent en puissance. Alors, tic-tac, poteau aussi, Jean-Jennifer Aendo. Voilà. Depuis ce temps, c'est-à-dire, même si Macron est enrhumé, c'est toi déjà. Macron, Côte 2020, poteau, Gilda Tiakoumakouz, Olga Darma. Ah bon, son passeport est là-bas. Hein, Olga Darma. Mais dis-moi ça. Depuis, hein? Oui, investiture, Olga Puta, poteau. Hein? Que toi, de la tournée d'eau, poteau. Que non, la conférence internationale des chefs d'État de Grand Lac, la CEMAC, ont déjà fini avec toi, de la poteau, Bengue Laurentine. Donc, poteau na poteau. Alors, maintenant là, lorsque, si Désiré Bangendo soit salué depuis les États-Unis, Gambou Jonias, Corridor aussi poteau, c'est ça. Mettez-moi là où ils ont tapé poteau là. Corridor, Axe Garamboulaye, poteau, Firmin Wapili, Béatrice Ramsayer, hein? Tout est poteau. Hein? Zoa qui tombe à Zo, Otoa qui tombe à Oto. Mboa qui tombe en beau, poteau. Dieu donné. Oui, Amon, soyez salué, Koutado. Depuis Douala, Kouz, sois salué. Ngoué Geneviève, ma mère. Yeah. Investiture de débit aussi à Denina, poteau. Débit à couille, poteau. Hein? Ah! Maintenant, là. Si Macron est enrhumé, c'est Touadéra qui l'a empoisonné. Les Russes de Touadéra. Nani Penderé, TCC, sois salué. Christian Beneham, sois salué. Si Gros Gurin n'a pas bien mangé chez Sendeko dans les quartiers, où Gros Gurin était à l'espace Lingatere et à la Tolomélie ou le Teshuya, si la, l'indigestion là, sans Cameroun, sans Cameroun, frangin, si Gros Gurin a mal au ventre, ah, c'est Touadéra et les Russes qui l'ont empoisonné. Poteau. Maintenant, hein, maintenant là, bon, l'ambassade de la France, hein, à Bangui, incendié, c'est toi déjà, et les Russes. Et directement, ils ont dit non, c'est un incendie volontaire, un incendie criminel. Et pourtant, tous les médias français n'ont pas encore eu la confirmation. Tous les médias français d'aujourd'hui, ce soir, n'ont pas confirmé que cet incendie est dû à un acte criminel, nanani, nanana. Mais nos liveurs, ils ont dit que c'est un incendie criminel. Ah! Oh non, ce n'est plus l'opposition. Opposition là, ben, ça c'est la sorcellerie. Un opposant, c'est pas comme ça. La politique, là, comme disait Oufoué Boigny, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Ils ont créé leur gouvernement, poteau.
gouvernement. Alors, on va essayer de décrypter un peu. Et puis, déjà, j'ai envoyé les drones travailler jusqu'à demain matin, là, avant midi. Hein? Ça va se savoir. Nous saurons la vérité sur cet incendie-là. Mais on va faire une petite analyse ensemble en ce soir. Parce que les neurones de notre cerveau fonctionnent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous remarquez bien, depuis un certain temps, après qu'on a dénoncé super chérie de l'ambassadeur Gogura, Brasserie, Mokaf, École Koudoukou, les JPN, et après on a déconstruit la cabale planifiée ensemble avec le leader ou le mouvement, ou c'est pas comment on appelle la troupe Espace Lingatere, et suite à ces dénonciations, la ministre de la Défense, Marie-Noëlle Koyara, respect à vous, et Sylvie Baipo a introduit un communiqué. Et dans ce communiqué, il a été dit que chaque ambassadeur diplomate qui devait sortir circuler doit circuler avec ses papiers. Gros Gurin, il a compris que c'est un message diplomatique et très codé. Et depuis longtemps, comme si Gros Gurin ne vit plus à Bangui. Comme si Gros Gurin, je ne sais pas s'il est parti ou je ne sais pas. Depuis, je suis en train de le chercher. Gilda Tchakomba, les déplacements nocturnes là. Il faut se munir de sa carte, hein, des papiers justificatifs qui prouvent que tu es un diplomate. Et Gros Gurin savait que lorsqu'il va tenter encore de sortir la nuit, les autorités centrafricaines sauront et comprendront beaucoup de choses. Et depuis lors, Gros Gurin est devenu un homme invisible, un homme sans visage. Il n'existe plus à Bangui. Depuis, Gros Gurin est inexistant. Il est où? On ne sait pas. Plus d'agitation. Il est confiné. Hein? Il est confiné. Elisabeth, y a les bouilles. Depuis, Gros Gurin, Francia Mireille, soit salué, est confiné. J'emprunte le terme d'Elisabeth, y a les bouilles, est confiné. Et il ne sort plus. Il a dépassé la quarantaine, le confinement dû au Covid-19. Gros Gurin est inexistant. Et aujourd'hui, la France a perdu la bataille, le combat en République centrafricaine, malgré les multiples tractations. La France a essayé d'utiliser les autres chefs d'État de la CAC, de la Conférence internationale de Grand Lac, pour imposer à Touadéra un dialogue avec les bandits, malgré le mini-sommet de Luanda. La France a tapé poteau. Macron a essayé de séduire Kagame, croyant que Kagame c'est comme Sassou et Macky Sall. Il a tapé poteau et c'est le dialogue républicain. La France qui, hier et avant-hier, je disais, est l'auteur de l'assassinat de Déby. La France a compris qu'aujourd'hui, la RCA n'est plus contrôlable. Alors, ils sont en train de mettre en place, de réaliser un nouveau film. L'incendie de l'ambassade, là, ça c'est la réalisation d'une nouvelle série française, hein, une série hollywoodienne. C'est un incendie mis en scène par les Français. La vérité triomphera d'ici demain soir, on va en parler à 20h00. Ça c'est la France elle-même qui a incendié l'ambassade de la France, à Bangui. C'est les Français. Vous savez ce que j'ai compris d'après, j'ai eu 3 informations tout à l'heure, et comme je devais
Nous avons tout à l'heure, je devais participer à la messe à 19h30. J'ai dit à mon réseau d'attendre après la vidéo de ce soir pour que je puisse entrer en contact avec eux et avoir l'information d'une manière détaillée. Alors, mais d'une manière superficielle, parce qu'on n'a pas trop duré, on a parlé juste 10 minutes au téléphone. Alors, c'est une mise en scène. La France 1 sait déjà pertinemment qu'elle a déjà perdu la République centrafricaine et que Touadéra est libre, le seul président dans l'espace francophone libre et indépendant, il s'appelle Fossé Archange Touadéra. Alors, la France est en train de réaliser un nouveau film. Un film dans lequel, la première partie, le premier épisode, ils ont tué Déby. Déby a été tué, ça c'est saison 1. Saison 2, incendier l'ambassade à Bangui pour faire comprendre à l'opinion internationale que les intérêts français au niveau de Bangui et que les Français à Bangui ne sont pas en sécurité. Parce que, comme preuve, les jeunes centrafricains étaient plusieurs fois dans la rue pour exprimer leur mécontentement, leur ras-le-bol quant à l'implication, l'ingérence de la France et de la MINUSCA et de l'ONU dans le putsch, la déstabilisation organisée par la CPC. Ils savent très bien que les centrafricains aujourd'hui, ils ont suivi nos vidéos. C'est pour cette raison, la direction, la DGSE France, ensemble avec Mekassoua et ceux qui sont à Bangui, parce que certains sont à la présidence, ils ont écrit un article de Raphaël Kila me concernant. Ils m'ont attaqué parce que à la Champions League, on a dénoncé une fois les cabales, on a révélé le coup préparé par la France. Comment la France est en train d'orchestrer, d'organiser, de mettre en place une cabale contre le pouvoir de Touadéra. Alors, il faut m'attaquer. Il faut me coller des saletés. Que je suis le cerveau de Boko Haram, que je suis un trafiquant de drogue, etc. Comment interdit l'espace CEMAC, etc. Tout ça là, c'est une intimidation. Et depuis après la publication de leur coup de gueule, vous avez constaté qu'il y a un calme bizarre sur la toile. Et il y a un calme bizarre. Gros Gurin n'est plus dans le spectacle. Mekassoua est devenu silencieux et la toile est un peu libre. Ils ont compris que les centrafricains ont atteint la maturité. Et ils ont compris que les centrafricains sont aujourd'hui plus éclairés, illuminés. Ce n'est plus les centrafricains d'avant où on pouvait manipuler. Ils savent très bien que nous, malgré nos petits moyens, on a nos drones. Et nos drones là nous fournissent des informations fiables. Et ils ont compris que non, qu'est-ce qu'il faut faire? Toutes ces vidéos-là, tout ce que nous avons dit, ils ont déjà coupé ces vidéos. Ils ont déjà visionné ces vidéos. Ils ont déjà observé la marche des jeunes à Bangui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut incendier leur propre ambassade afin d'attirer la communauté internationale que les intérêts français en République centrafricaine sont menacés et que les Français ne sont pas en sécurité. Alors, il faut déployer soit un régiment ou un bataillon des légionnaires français afin de sécuriser. Déjà depuis cet après-midi, les Français de Mpoko là, en ce soir, c'est eux qui sont au niveau de l'ambassade de France et qui veillent sur les Français pour les protéger. Alors, la troupe, la base française aujourd'hui se trouve où? Gabon et le Tchad. Donc, il faut déployer sur le terrain peut-être 200, 300 éléments français afin de protéger les Français qui résident en Centrafrique et de protéger l'ambassade, le consulat, etc. Parmi les éléments qu'ils vont envoyer, ils ne vont pas envoyer les simples soldats, mais ce sont les mercenaires français qui seront transférés à Bangui afin de protéger les intérêts centrafricains. C'est là où maintenant, ensemble avec la MINUSCA, ils vont tuer certains jeunes musulmans et jeter le corps quelque part. Et insinuer que non,
les chrétiens ont tué les musulmans. Et comme au kilomètre 5, il y a certains qui ne réfléchissent pas, ils vont commencer par tirer. Et la MINUSCA va attirer l'attention de l'ONU pour organiser une réunion extraordinaire, un petit sommet pour faire comprendre qu'il y a insécurité en Centrafrique. Donc le climat n'est pas favorable pour l'organisation d'un dialogue républicain. Il faudrait envoyer les 3000 éléments de la MINUSCA et quelques éléments français pour sécuriser, parce que la MINUSCA n'est pas là pour la guerre, la MINUSCA est là pour protéger les civils. Et ensemble, parce que déjà, il y avait un accord avant les élections que la France a signé avec l'ONU, que la troupe française, les éléments français doivent protéger la MINUSCA. Ils doivent sécuriser la MINUSCA. Et les éléments français viendront pour aider la MINUSCA. Et ce pays-là va connaître encore des conflits. Mais ça ne marchera pas. Vous êtes responsable de votre incendie. On sait que pendant que nous, on mange, on dort, on sait que la France ne dort pas. Vous êtes terrible. On sait que vous avez toujours, hein, vous avez déjà mis le scénario, vous êtes en train d'organiser une mise en scène afin d'avoir quelques troupes françaises. Aujourd'hui, qui peut me dire exactement le nombre des militaires français qui sont à Mpoko? Leur nombre, qui peut me dire exactement le nombre qui est à Mpoko? Ils sont combien à Mpoko? Ils descendent sur le tarmac, ils rentrent dans le camp Mpoko. Peut-être à Mpoko, il y a même 1000 militaires français, on ne sait pas. Personne ne maîtrise. La nuit, chaque vol, on ne connaît pas le nombre des éléments français qui sont à Mpoko. Nous ne maîtrisons même pas. Personne n'est allé là-bas pour vérifier. Ils sont incapables de fournir à l'état-major l'effectif normal. Alors, comme ils ont tué Déby, ils veulent semer un chaos en Centrafrique. Ils veulent semer un chaos. Et nous savons bien, l'ambassade de France est au bord du fleuve. Cette France-là peut passer encore des mercenaires sur l'autre rive du Congo et les faire traverser la nuit. Donc, c'est une série hollywoodienne. Ça, c'est Hollywood. C'est Hollywood, ça. Après, ils vont dire que non, ce sont les Russes qui ont incendié l'ambassade. Après, ils vont dire, ils vont sortir nos vidéos, que non, c'est lui, là, la Champions League, qui a appelé les Centrafricains à boycotter les intérêts français. Donc, la France est menacée en Centrafrique. Il faudrait que l'ONU autorise encore l'envoi d'un contingent français pour sécuriser les Français et l'intérêt français. Et comme ça, avec MINUSCA, ils vont faire leur yabanda pour créer encore une situation catastrophique en Centrafrique. Sachant bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de crise, il n'y a plus de guerre. Malgré leur mini-sommet, ils ont parlé de... Et même Makher Ndiaye. Dites-moi, il est déjà rentré. Makher est rentré. Ndiaye n'a qu'il a, ouais. Menteur Ndiaye n'a qu'il a, ouais. Le qu'il a, ouais. A de l'eau qui là-bas. Vous savez, l'ambassade de France là est sécurisée. Ils ont des caméras. C'est un petit bunker. C'est un bunker, pas petit bunker. Ils ont des caméras de surveillance. À l'intérieur, ils ont des soldats français. À l'intérieur là, c'est un coin sécurisé. Si je n'exagère pas, aujourd'hui, c'est grâce, aujourd'hui, à cause de la Russie, hein, et des Rwandais, de nos jeunes FACA. Mais en 2017, 2018, 2019, l'ambassade de France est mieux sécurisée que même le palais de la Renaissance. Bon, Waniswa Londo Tone, Inia, Beni, Yakuza, Kamikaze, à Botokamba, Tenezo, Iba Canada, film, à Japonais, Wana Botone. Hein? Non, Wana Fanakate, Wana Gotone, ambassade sécurisée. Mais la bonne nouvelle est que si passeport ya a Geleni, na opposana ke ka bien dire la mieux. Ta vraie partie, tu m'as dit, tu dois dire, tu es là.
Il y a une chose dans l'intérêt. Ton âme a passeport à la case. A doit t'intéré. Léa Makanda soit salué. A doit t'intéré. Donc, cet incendie-là, c'est un incendie volontaire organisé par les Français. Parce qu'ils ont déjà terminé leur scénario. Ils ont achevé la première saison de ce film-là. Film Néernia. Mais donnez un titre à ça. La série Yembele Yembele. Série Yembele Yembele. Et les deux films là. Yembele Yembele. Première saison. Yembele Yembele au Tchad. Ils ont tué Déby. Deuxième saison. Yembele Yembele. Ils ont incendié leur propre ambassade. D'ici demain là. On va sortir. Je crois que la nuit là. Avant 8h. J'aurai tous les détails, ce qu'ils vont cacher là. On va dormir cette nuit là chez Drian. Cette nuit là, on va dormir chez Jean-Yves Le Drian. En cette nuit là, et qui ont du café dans notre Jean-Yves Le Drian. En cette nuit là, dronti avec qui can dans notre Le Drian. À côté si 8h. Inga teneni kwa wa. Iki inga yeso na pokoti incendio. Nous savons bien que la France ne va jamais pardonner à Touadéra. Nous savons bien que la France est en train de chercher des trucs afin de coller sur la présence russe en Centrafrique, accuser les Russes. Vous allez voir d'ici demain matin que ce sont les mercenaires russes qui ont incendié l'ambassade de France à travers certains jeunes, où ils vont payer certains godobés. Ils peuvent même les ramasser au Tchad ou ça là, ils vont amener ça pour dire que ce sont les auteurs de cet incendie. Le film là, ce même film là, a été réalisé avant-hier en Côte d'Ivoire, où, comment ça s'appelle, photocopie, le nouveau ministre de la Défense, a ramassé trois oiseaux. Et trois oiseaux avec Kalachnikov, avec simple t-shirt, culotte. Et il a dit ce sont des mercenaires libériens qui sont venus attaquer le camp militaire. En Afrique de l'Ouest, là, tout le monde sait que les Libériens là sont pas des petits guerriers. Le seul pays colonisé par les États-Unis en Afrique, là, c'est Libéria. Les Libériens sont dangereux plus que nos éléments là. Mercenaires. Vient avec Kalachnikov, sans grenade, et on les a tués comme braqueurs. Cette mise en scène-là, la France a organisé ça à Abidjan afin de détourner l'attention des gens sur la mort de Déby, pour dire que non, il y a un coup de temps en téléchargement et pour empêcher aussi le retour de Gbagbo. Tout ça, là, on connaît ça. C'est la même mise en scène qu'ils ont fait. C'est la même mise en scène. Donc, ce qu'on doit y retenir, incendie là, c'est eux-mêmes qui ont incendié leur ambassade. Voilà, d'abord va venir un bâtiment archaïque comme ça. Quand on voit les autres ambassades là, jolies, ça là, ils sont incapables. Et on dit leur avenue là, avenue Charles de Gaulle, si je ne me trompe pas, où les goudrons sont même tous partis devant l'ambassade de France là, il n'y a même pas de pavé. Ils n'ont même pas mis les pavés devant leur ambassade. Terre rouge, jaune, terre rouge. Après plus de 60 ans, l'ambassade est dans une maison coloniale. La devanture non pavée devant l'avenue Charles de Gaulle, où l'avenue, là, les goudrons là, sont tous dégradés. Et ils n'ont même pas honte de présenter ça, de faire la vidéo que l'ambassade de France. Un ami me disait tout à l'heure, c'est ça l'ambassade de France à Bangui, mais vous êtes gentil là-bas. Vous devez leur imposer une architecture moderne. Je dis là-bas, là, Giazoli dit qu'on va terrer là, on doit contrôler. On doit évoluer parce qu'on doit évoluer. Voilà, donc demain 20h00, il y aura déjà information, tout dans notre ambassade. On va casser le papeau, on va briser ça.
Hein? Chez nous, en Afrique de l'Ouest, c'est comme ça qu'on parle ici. Ça, c'est notre langage d'Afrique de l'Ouest. Oh. C'est comme les Canadiens ont leur français, les Suisses ont leur français. Quand je vais dire ça, là, ça va faire mal au cœur de quelqu'un. Voilà. Hein? Donc, en Afrique de l'Ouest, on a nos termes ici. Alors, demain, là, on va dire la vérité, on va déconstruire ça. Cette nuit-là, à demain 8h, Gros Gurin, ça va se savoir. Roland Doras, mais oui, ils sont silencieux. Même là, j'étais sur le site de France Diplomatie Silence. J'ai vu la page de France, l'ambassade France à Bangui, silence peut-être, déjà ils ont fait. J'ai vu le tweet de Gros Gurin, silence. Ils n'ont rien dit. Hein. Et cette série-là, film Menuzo Ereni, Yembele, Yembele. C'est saison 2. Saison 2. Yembele, Yembele. Alors, le média mainstream français accuse la Russie du meurtre de Déby et se livre en spectacle eux-mêmes. Plusieurs médias français, quand on dit médias mainstream, c'est les médias influents. Hein, c'est l'anglicisme, ça. Voilà, ces médias influents ont parlé de... Ils ont... Ouais, Motia, tu es à Bangui, poteau depuis Bangui. Motia Mathurin, Homo, sois salué. Gaspard Waporo, sois salué. Poteau. Alors, le média français a accusé la Russie d'avoir assassiné Déby. Hein? Et les Russes n'étaient pas là-bas. Hein? Pendant que, la fois dernière, j'ai cité ici, ils ont dit que la Russie est l'allié ou le pays partenaire de général Marshal Haftar. Ils ont oublié que les partenaires, Haftar a plusieurs partenaires. Et parmi les partenaires, la France aussi fait partie des partenaires du maréchal Haftar. Les Russes n'ont pas encore parlé, mais ils sont rapides. Ils ont déjà parlé. Rapidement, le média. Bak Bakoua, sois salué. C'est Bak Bakoua qui a incendié l'ambassade là. Moi, Motoka et les mamans a incendié l'ambassade. Sois salué depuis ta position. Alors, donc, après leur publication, c'est Monde Afrique qui est venu casser leurs mensonges et mettre la confusion parmi eux. Monde Afrique a fait un exposé à confusion. Et ils ont dit la vérité, puis après ils ont cassé ça. Alors, Déby assassiné, une alerte est lancée aux voisins. J'ai suivi en cette nuit, hier nuit, pardon, non, ce matin, à l'aube, Afrique Média, et j'ai suivi les leaders des mouvements hein, panafricains, les observateurs qui étaient aux électeurs, qui étaient en N'Djamena. Ils étaient des observateurs, ils ont été reçus par Déby. Et il y a un intervenant qui a fait une démonstration, vraiment très, très profonde. Et il était convaincant. Et dans ses explications, il a confirmé l'hypothèse de la Champions League que Déby a reçu la balle et cette balle a été tirée par un sniper. Et il n'est pas passé par quatre chemins, il a dit directement que c'était la France. Allez, bon, je ne fais pas la publicité, mais quand quelqu'un fait quelque chose, quelqu'un a fait du bien, il faut être reconnaissant. Allez sur la page d'Afrique Média, vous allez voir ça. Voilà. Sauf
Hein? Je reconnais la valeur des autres. Mais chez nous, là, c'est la sorcellerie. On nous attaque toujours. Alors, et Monde Afrique a confirmé même l'hypothèse de la Champions League. Je lis rapidement, Déby assassiné, une alerte lancée aux voisins. Une alerte lancée aux voisins, c'est ce que je disais. On a jubilé, on s'est réjoui, hein. C'était l'allégresse, c'est bon. Mais c'était une alerte lancée aux voisins. Pourquoi accuse-t-on la Russie du meurtre de Déby alors que ce dernier se trouvait en plein champ de bataille contre une rébellion pour laquelle la Libye sert de base arrière? La réponse ne pourrait être sans lien avec ce qui se passe en RCA. La réponse ne pourrait être sans lien avec ce qui se passe en RCA. La présence russe en RCA, venant la Kouetene soit saluée, Gilias Tiakomba. Le Monde Afrique accuse Wagner, venu en Libye, d'être impliqué dans ce coup pour justifier sans doute la spectaculaire défaite de l'armée française à déstabiliser la Centrafrique par des rebelles interposés. Le directeur de Monde Afrique, c'est Nicolas Beau, et ce Nicolas Beau, un vendu, un corrompu, Zotine Diarra, on lui donne de l'argent et on le paie avant de pondre des incongruités. Et ce qui est bon dans cet article est que il a reconnu ici que il accuse Wagner, venu en Libye, d'être impliqué dans ce coup pour justifier sans doute la défaite de l'armée française en Centrafrique. Bakbakoa, Monde Afrique a reconnu que c'est la France qui a utilisé la CPC, votre CPC. Bakbakoa, c'est la France qui te paie pour écrire contre Touadéra et publier des choses afin de détruire, hein, de déstabiliser la Centrafrique. Mais Monde Afrique reconnaît ici que la France, hein, a subi une défaite spectaculaire en République centrafricaine. J'ai aimé cette partie-là. La France, après la défaite spectaculaire de l'armée française par les rebelles interposés, votre journaliste que vous l'avez payé là, il n'a pas bien rédigé, il a bu vieux pape et il a dit la vérité, il a révélé quelque chose. Donc, ah bon, dont la France a connu une défaite, a subi une défaite spectaculaire. Ah bon, donc c'est la France qui a soutenu les rebelles de la CPC. Merci Nicolas Beau, merci Monde Afrique. Ça, c'est vous-même. Vous avez confirmé que c'est la France qui c'est la France qui a soutenu la CPC et malheureusement vous avez subi une défaite spectaculaire à la Picata l'Italia, la Ngoko l'Italia, Mbeng n'a cessé. Félicitations. Alors, en effet, en RCA, la France et ses amis américano-otaniens, c'est-à-dire l'OTAN, ont tout fait pour pouvoir déstabiliser le président Touadéra et casser la dynamique de réconciliation nationale. Bakbakoa, vous êtes des vendus. Vous avez tapé poteau. Le 22 poteau, 2022 poteau, 2024 poteau, 2027 poteau, 2030 poteau, parce que Touadéra ne va pas quitter aujourd'hui. Votre écrivain journaleux a confirmé que la France et ses amis américains et l'OTAN ont tout fait pour déstabiliser Touadéra et casser la dynamique de réconciliation. Félicitations, Monde Afrique. Merci à la Champions League. Nous nous sommes inscrits, nous nous sommes alliés du bon côté de l'histoire. Aujourd'hui, la même France, leur propre journaliste a reconnu que la France et les États-Unis et l'OTAN ont voulu déstabiliser le président Touadéra et casser la dynamique de réconciliation nationale et transformer les ex-rebelles reconvertis
en politicien à des parias armés. Je relis encore, Imanisi. En effet, la RCA, en RCA, la France et ses amis américains et l'OTAN, les pays de l'OTAN, ont tout fait. Ils ont dit à Bakra Sabon de crier beau dans le noir. Poto, ils ont dit à Bak Bakwa de couper les vidéos, d'écrire, de prendre les vidéos des djihadistes du Mali pour montrer que c'est la CPC. Poto, ils ont dit à tous ces liveurs de nous insulter, d'insulter notre jolibilité. On ne fait pas tchatcho, mais ils ont nous ont traité de tout. Poto, ils ont dit, oh, Sarandi a été empoisonné, tué. Poto, ils ont crié dans le noir. Ils ont zonga Touadéra. Ils ont zonga le Walidi Touadéra. Amenaza akuta kitaza zingiri na gotala. Ala tene 5 minutes de ngota. Poto. Barila la te. Alors, la France et ses amis ont tout fait pour pouvoir déstabiliser le président Touadéra et casser la dynamique de réconciliation nationale et transformer les ex-rebelles en politiciens à des parias armés. Donc ils aussi tenaient dialogue à qui n'a pas son la zone, parce qu'ils transformaient en politiciens. Poto. La France a même tenté de reprendre Bangui, mais à chaque fois, il n'a subi que des échecs. Ça, c'est Monde Afrique. Hein? C'est Monde Afrique que je lis. Ambiapé, c'est Monde Afrique. Bilami écrit Napé. Nzapati Touadéra. La biconfusion, elle a payé Nicolas Beau. Tu te le écris, il est retourné encore contre là. Zamile Keteret Mizi. La France a même tenté de reprendre Bangui. Donc ce n'était pas la CPC, hein. Oh non, CPC. Mais ici, là, le vrai français de souche, là, a dit que c'est la France. Cloche a sonné, Cloche a sonné, oui. Petit verre, c'est moi l'eau là, je bois un peu, je bois un peu. À Saint-Trafiquet, cloche à sonné, oui. Je bois pour mon logo, n'a pas petit gâti quadro. Faustin Arcueil, toi de là, Gatia Maracoué, Papa Tissiriri. Donc il est là. On continue. Il n'a subi. La France a même tenté de reprendre Bangui, mais à chaque fois, il n'a subi que des échecs, des poteaux. RY. Vouloir mettre tout sur le dos de la Russie et sous-estimer le rôle de l'armée centrafricaine et l'État, c'est une colossale erreur que Paris tend à commettre régulièrement. C'est une erreur colossale que Paris tend à commettre régulièrement. La France ne fait que s'en prendre à la Russie. Or, ici, le journaliste Nicolas Beau a reconnu l'exploit de nos facas, nos jeunes facas. Applaudissements, nos facas. Et pique à cloche d'Enta faca. Cloche d'Enta faca. Pacha Saint-Africain. Sauta faca là, sauta faca là. La salaba, pacha parti là. Afaka, faca. Sauta faca là. Wouh!
Hé, on continue. Hé, soit la petite publier là-bas. À la quitter, à le télé retirer journal, mais quand il télécharge une quoi, alors on avance rapidement. Alors, c'est cette même erreur que la France vient de commettre au Tchad. C'est cette même erreur que la France vient de commettre au Tchad en éliminant une grande figure du Sahel. À là-bas, ouais. C'est cette même erreur que la France vient de commettre en éliminant le directeur Monde Afrique a affirmé ici, a confirmé, a testé que c'est la France qui a tué Déby. C'est la Champions League pour la première fois. Le jour où Déby est tombé, c'est nous à la Champions League que nous avions dénoncé que c'est la France qui a tué Déby. Bravo à la Champions League, bravo. Mais ils comprennent pourquoi Beta Zoye Konona Begeti. Hein, ils comprennent pourquoi Zoye Yapé. Ils comprennent pourquoi Zoye Langona Biapé. Ils comprennent pourquoi Zoti Likundwa Kimingi. Ils comprennent pourquoi aujourd'hui Bangui quoi est invité de Champions League. Poto qui est de Champions League partout. Asara si Fufu Tazo. Fufu Tazo. Félicitations. Certes, ayant quelques faiblesses en entrant dans des compromissions aussi bien avec la France qu'avec les USA et Israël, mais qui est resté tout de même un grand. Déby reste tout de même un grand. En effet, en faisant supprimer Itno de la scène politique tchadienne, en lui faisant succéder son fils, c'est un peu le remake du scénario congolais. Désiré Kabila, Joseph Kabila. Mais ça là, il tenait déjà dans la Champions League Gawa. Est-ce qu'on n'a pas parlé de ça? Déjà, nous sommes le premier dans le monde à révéler ça. Pendant que, oh non, c'est son garde-corps qui l'a battu chez lui à la maison, parce que c'est le frère de Yaya Dilo qui l'a battu. Mais nous, on a déjà révélé ça. Roland Doras, chapeau, frangin. Alors, un fils dompté qui remplace un père récalcitrant, parce que Joseph Kabila a été dompté. Et puis, le verrou du Tchad, une fois sauté, il y aura en amont des vastes déstabilisations. Tout autour, comme la Libye en son temps, quand l'OTAN a renversé Kadhafi, avant de l'assassiner lâchement pour pouvoir faire de ce pays pétrolifère nord-africain un éternel foyer de déstabilisation. Au fait, le coup d'État qui s'est soldé par l'assassinat du président Déby, l'axe États-Unis, OTAN, Israël, l'a tenté il y a peu au Niger, où il a perdu ce qu'il a reçu au Mali, au Soudan. C'est le retour de l'ère des coups d'État, des coups de fourrée, des éliminations ciblées, et tout ceci pour seule et unique raison. Les puissances occidentales sont à court de moyens et s'enlisent là où ils s'engagent militairement. Oh là 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 là. Les puissances occidentales sont à court de moyens. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison qu'on a dit la transition placée sous la supervision du fils Itno devrait ici quelque peu déboucher sur l'émergence d'une opposition armée qui exhorterait des éléments armés vers des pays comme le Niger, le Soudan, le Nigeria et autres. Mais au-delà de cette énième tentative de déstabilisation du Sahel, l'axe USA OTAN a les yeux tournés vers l'Algérie, car ce qu'il cherche avant tout, c'est de faire du Maghreb un Sahel bis. Bon, attendez. Ah là 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 là. Je vais finir dans 5 minutes, hein. Dans 5 minutes, affaire à suivre demain. Suite là demain.
Sweet Night demain. Hey! Hey, yaya! Yeah. Ah là là! Oh! Oh là là! Son Jerry va t'en après. Tenenan Jerry. Poto. RY. Gui RY. Gui RY. Ouh! Tambi Teneniso Anjernami. Excusez, j'envoie un message à quelqu'un rapidement. Voilà, je finis sur ce. Alors, le porte-parole de l'armée tchadienne Le porte-parole de l'armée tchadienne a officialisé mardi 20 avril la mort du maréchal Déby, qui venait à peine de se faire élire pour un sixième mandat, alors qu'il s'est rendu en véhicule blindé, Toyota blindé, sur le front pour combattre les rebelles du FACT. Bon, Biri Litba chauffé mitené PAC ou FAC. Bon, c'est juste une petite erreur, c'est pas important. Ambenazo Mouta la Nizon Diawa la Benihila, PAC ou FAC ou Aguiaola. Il ne m'intéresse pas. Voilà. Idriss Déby aurait été blessé dimanche 18 avril en défendant l'intégrité du territoire, selon les termes de l'armée tchadienne. Dans la lettre du groupe d'experts sur la Libye et au Conseil de sécurité publié en mars 2021, on peut lire que le FACT dirigé par Mahdi Ali Mamat était présent dans le sud de Libye, y protégeant les installations militaires des forces Ali Haftar. Le groupe d'experts a par ailleurs établi que des Syriens affiliés aux forces de Haftar opéraient aux côtés de la société privée Wagner. Il n'en fallait pas plus pour que certains pointent alors l'ombre des mercenaires du groupe Wagner dans la mort de Déby. Parce que les Russes étaient ont soutenu Haftar. Alors, il va casser les choses ici. Hein. Le Fayadi Kangunige, la Russie pleinement engagée chez le voisin centrafricain, apparaît donc comme un coupable idéal, tout désigné pour avoir appuyé les assassins de ce partenaire militaire de la France en Afrique centrale et au Sahel. Un étrange tir mortel depuis un aéronef. Bravo à la Champions League. Un étrange tir mortel depuis un aéronef. C'est pas ce qui a été révélé. Peu après l'annonce de son décès, le journal Jeune Afrique a publié le mardi 20 avril les dernières heures du président Déby. On peut notamment lire dans cet article que Déby a été blessé d'une balle dans la poitrine qui aurait touché le rein. Sans être un médecin ni spécialiste en anatomie, on peut déduire que pour entrer par la poitrine et toucher le rein, sens comme ça, transversal, au bas du dos, la balle qui a mortellement touché Déby provient d'un tir effectué en altitude depuis un aéronef, depuis le haut, donc dans l'Etindouzou, avion, hélicoptère, là, la tirero. Hein? Cet article de Jeune Afrique souligne aussi que l'aviation française était présente sur le théâtre d'opération, ce que collaborait Mamat Aldi. L'aviation française nous survolait jour et nuit. Ils ont toutes les informations. C'est ce que Mamat Mahdi Ali, le chef du FACT, a dit sur RFI le 19. L'aviation française nous survolait jour et nuit. Ils ont toutes les informations. Les déplacements, la nature des armes, le nombre des hommes, le nombre des véhicules. Si ce n'est pas un avantage, qu'est-ce qu'un avantage alors? C'est une intervention directe. Parmi les premiers éléments qui ont donc pu filtrer sur les circonstances du décès de Déby, on peut aussi noter qu'à aucun moment, ni l'armée tchadienne, ni l'armée française n'ont évoqué de combattants russes sur le terrain.
aux côtés de FACT aucun combattant russe. Si cela avait été le cas, on voit mal pourquoi l'armée française qui survolait cette zone de la localité Mao au nord de N'Djamena se serait privée de le dénoncer. Qui est donc à l'origine de ce tir qui a priori provenait des airs, si ce n'est ni celui si ne provenait pas des éléments des FACT qui ne disposaient pas de moyens aériens ni d'éléments Wagner? On peut aussi se demander comment le maréchal Déby a pu être mortellement blessé alors que celui-ci se déplaçait dans un véhicule Toyota blindé. Est-il sorti de son véhicule? Ce qui suppose qu'il ait été abattu dans un environnement relativement calme, hors de toute zone de combat. Ou bien a-t-il été touché dans son véhicule par un tir spécial d'un sniper capable de percer le blindage de son véhicule? Enfin, pourquoi diantre Déby est-il le seul haut gradé tchadien de cette équipe à être revenu mort en N'Djamena? Difficile de croire que Paris avait un mobile pour supprimer ce allié essentiel dans le cadre notamment l'opération Barkhane au Sahel, et pourtant ces éléments factuels sont éléments troublants. Waouh! Donc, qu'il pousse à s'interroger sur une autre hypothèse impliquant l'armée française dans la disparition du président tchadien. Fin de citation. Voilà. Donc, c'est clair et net que c'est la France qui a tué Déby. Ouais. Et pourquoi? Le monde d'Afrique dit, force est de constater ce qui a été révélé à la Champions League. En tout cas, que les relations entre le Tchad et la Russie s'étaient quelque peu réchauffées ces dernières années sur fond d'opérations de séduction de Moscou pour se rapprocher des autorités tchadiennes. On peut par exemple se souvenir qu'en mars 2018, une délégation d'hommes d'affaires russes s'était rendue en N'Djamena, annonçant 7,5 milliards d'euros d'investissement, portant notamment sur la construction d'un aéroport international, d'une raffinerie. D'une raffinerie de pétrole, d'une centrale électrique à énergie solaire, de la reconstruction du système alimentaire d'alimentation électrique. C'est ce que la Russie veut réaliser au Tchad de Déby. Et le contrat a été signé en 2018. Waouh! Construction d'un nouvel aéroport international, raffinerie de pétrole, centrale électrique d'énergie solaire, reconstruction du système d'alimentation électrique. En octobre 2019, Déby s'était rendu au premier sommet Russie-Afrique à Sochi et avait déclaré le soutien de la Fédération de Russie est vital pour renforcer la stabilité régionale. Come on! Yeah! Donc Déby en 2019 a tendu la main à la Russie parce que la Fédération de Russie, son soutien est vital pour renforcer la stabilité régionale. Bravo à toi, Déra. Abat les vendus, les traîtres de la France. Abat les djangouras de la France. Alors, l'appui en formation et en équipement militaire, le partage de renseignements et d'expériences avec les forces africaines engagées sur ce front seront d'une grande utilité. Nous pouvons aussi noter qu'en novembre passé, 2020, le Tchad et la Russie avaient entamé des discussions en vue d'un accord de coopération judiciaire afin de consolider et de diversifier davantage les relations bilatérales entre les deux pays. Enfin, entre fin décembre 2020 et le mois de février 2021, la République centrafricaine et l'ambassade de Russie à Bangui ont largement communiqué autour d'un appui qu'aurait apporté le Tchad à la CPC. Certains à Bangui estiment que la France a sollicité le président Déby pour soutenir la CPC dans le but de mettre un terme à la présence russe en Centrafrique. Et qui tenait-il, Venapo? Le 29 mars 2021, dans une conférence de presse tenue à Bangui, l'ambassadeur russe en Centrafrique, Vladimir Titorenko, a même affirmé
que malheureusement, le gouvernement du Tchad n'est pas capable ou peut-être ne veut pas aider le gouvernement centrafricain à sécuriser de son côté la zone frontière où il y a beaucoup de mercenaires, où il y a les routes pour lesquelles passent les armes et les personnes pour gonfler les rangs des combattants CPC. Alors que l'élection présidentielle, je finis par là, avait lieu le 11 avril 2021. Le président Déby avait certainement affaire plus pressante à gérer dans son propre pays que de s'immiscer dans les affaires intérieures de la RCA. J'avais parlé de ça. Je disais que Déby ne veut plus se mêler de l'affaire de problèmes centrafricains. C'est ce que le Monde Afrique vient d'affirmer, que Déby avait certainement affaire plus pressante à gérer dans son propre pays que de s'immiscer dans les affaires intérieures de la RCA. Est-il possible que celui-ci ait trop tardé ou traîné les pieds pour exécuter les plans de Paris en Centrafrique, pays dans lequel il ne souhaitait plus vraiment s'ingérer? Oh! Aïe, 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 aïe. Oh, onction, onction, onction. Ouf. Aïe, 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 aïe. Déby, Nathalie Moyasso, salut. Déby, hein, a trop tardé ou traîné les pieds pour exécuter les plans de Paris en Centrafrique, à savoir renverser Touadéra. Or, Déby ne souhaitait plus s'ingérer dans les affaires centrafricaines. Autant d'éléments d'analyse qui forcent les observateurs à s'interroger sur la disparition subite et suspecte à bien égard du président Déby. Décryptage. France Tchad Russie. Il faut être un observateur pour faire ce décryptage. Wow. Bitenteni la na la zongambi. Bitenenia la kasambi, bitenenia la tene, oh, oh, faux pasteur, poto, oh, le dépigmenté terrello, poto, oh, Zotinjara, poto, lasso, monde Afrique, Tchad, Franceni, Amunaï raison à Champions League, que iteneti ta tene, itene ta tene. Donc, à la Champions League, a voti le servoti à paix. Ikati servoti n'a t choisi, n'a t loukentek à paix. Et qui observe, et qui sa décryptage, et puis qui aura conclusion. Voilà, en un mot, la Russie n'a rien fait au Tchad. Même les Français ont affirmé qui n'ont pas vu un élément russe sur le terrain. Cette société fictive Wagner, bon, je n'ai pas envie de citer ce nom parce que c'est une pure fiction, mais aucun élément russe n'a foulé le sol tchadien. Ce sont les éléments français avec leurs hélicoptères et ils ont utilisé leurs snipers, comme a confirmé un conférencier sur Afrique Média, pour tuer Idriss Déby. Parce que Déby a refusé de s'ingérer dans les affaires centrafricaines, parce que Déby a refusé d'envoyer ses troupes aider la CPC pour déstabiliser Touadéra, parce que Déby ne veut plus se mêler, parce que Déby a signé un accord de 7,8 milliards d'euros avec la Russie pour la construction d'un nouvel aéroport, ce que la France n'a jamais fait au Tchad ni en Centrafrique, alors il faut le faire partir. Alors, donc, bravo à Touadéra, Déby Atena, le soutien russe donnera la stabilité à la sous-région. Alors, il est temps que Sassou appelle Touadéra pour négocier. Il est temps que Obiangema, bon, Ali Bongo, c'est notre frère, on n'a pas de problème avec les Gabonais là-bas. Il est temps que les autres là appellent. Il est temps que Bozézé, vieux, il faut te rendre. Parce que Kadebina a qu'un. Et puis l'autre a encore à besoin. Zola, vous voyez, dites-moi encore. Moi. Donc, donc le reste, ça c'est comédie. Parce que Déby a refusé et Déby n'est plus là. Donc, poteau n'a poteau. Donc, il faut me rendre tellement.
mas oso na banga ere mo temo venezo ba beni zwa ko kaso to adera malolo ba to adera inga to lo leta la kuwa to adera inga traitre ni kuwa mbera tenena da to adera tenetulo na la pa gi bura la mu abure lo la. Quand ils verront ma vidéo là, ils sauront que j'ai dit la vérité. Toadera bâti le zouki qui rencontre là-bas. Toadera ne reçoit plus quelqu'un comme ça. Toadera n'écoute plus quelqu'un comme ça. Toadera, le binka visage t'a très traîné quoi. Donc, vieux beau zézé, à la bourré mon. Toadera, à la cause de la toadera là-bas. Abaka sabon, à la bourré mon. Toadera recevoir loi là-bas. Toadera mal loi là-bas. Gui bourra na bourra. Donc, cabinet de Toadera, le bureau, à la lita là-bas. Facebook là, dans le Nigeria, regardez les audio là. This news is audio. Ça, c'est audio. Soit il y a Tennessee là. Il y a audio. Il y a audio d'Aboura. Il y a audio d'Aboura. Bon, il m'a bien sur le monde là. Il y a internet audio là-bas. Azonga mi mingi, oh, mais tu as bloqué ça. Azonga mi mingi, mabango nya linga we, gamo sala na mima. Bon, je vous dédie cette chanson, cette louange. Et on dit rendez-vous demain à 20h00. Voilà, il m'a dit parole, hein, la Champions League t'a dit au job. Mi bourré de mi gaba. Mi te oh mi la toadera, oh toadera. Il sorti décryptage. Donc, abaka sabona la bourré mo. Bose, bourra la vieux. Zoa ko toadera kose lo na lo ba. Azo toadera na idai. Ala sa ta bruya ba. Allez. Na mina vaka mobimba tunga na boyiti mo baba aho kwe digiti mbi angwala kwe na pasi baso li hunda na mo sika mene na leti mima baba mgo inya linga we gamo sala na mima e Ciao, à demain.